Salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien. On se retrouve sur la bêta de Call of Duty Infinite Warfare qui est sortie vendredi. Donc le vendredi, il y a le 21 octobre, donc je regarde en même temps pour éviter de dire des bêtises. Sur Xbox One et qui est sortie sur la semaine dernière sur PS4. Donc voilà. Je remercie bien sûr, juste avant de commencer la vidéo, je remercie le portugais qui m'a filé le code pour jouer au jeu. Parce qu'en fait il a précommandé le jeu et du coup bah il m'a passé des codes parce qu'il en avait 5 et il en a passé un peu tout le monde et il m'en a passé un mois. Donc merci à toi le mec. Merci à toi mec pour les codes. Ça fait super plaisir. Ok, y'a pas de soucis. Donc je teste sa petite bêta pour vous la montrer. Il y a peut-être des personnes qui peuvent faire la tester et qui la connaissent pas du tout. Alors déjà on peut choisir que ici. Personnaliser. Ok, on en a qu'un, logique. Donc ça sert à rien. Ici y'a rien. Donc ça sert trop à rien à personnaliser parce qu'il y a rien. Retour. C'est moi ou... Non, y a rien à faire en principe, je crois pas. Partie publique. Non, mais y a pas. Ah oui, armure là. Ah, c'est déjà choisi, face mec. Là, c'est bloqué. Là, c'est bloqué aussi. On peut pas choisir plus, hein. Ça commence déjà bien. Armure, bah oui, c'est déjà. Ok, j'ai rien compris, c'est pas grave. Déjà, c'est bien, la bêta elle est en français. Je me rappelle que Battlefield n'était pas en français quand j'ai testé la bêta. Hop là. Ouais, la bêta quand je l'ai testé de Battlefield n'était pas du tout en français. Là, c'est en français, c'est cool. Ok. Ah d'accord, c'est pour nous montrer, bah c'est pas intéressant. Là c'est pareil, c'est pour nous montrer. Ok. C'est bon là du coup? Chercher une partie. Match à mort par équipe. On va prendre ça. Hein. Je connais pas trop donc du coup on va tester, on va voir. Si je trouve du monde, je trouve du monde. Si je trouve personne, c'est pas grave. Voilà, on va tester. Je vais pas jouer non plus tout le temps, je vais juste voir. Bienvenue dans la bêta. Créer une classe. Moi je veux lui. Voilà. Alors. Je me vois pas du tout. J'ai pas fait gaffe. Ah, je connais pas du tout les armes donc on va tester. Hein. Ah ouais, déjà on peut pas. Là c'est pas pareil que BO3, déjà on peut pas glisser comme d'habitude. On peut pas voler haut. C'est un peu normal. Il y a des gens qui sont déjà dessus de la bêta donc ça m'étonne qu'ils ont signé le jeu. Bon j'en ai tué déjà deux. Mais il me fait peur lui. Ça m'étonne que les mecs ils jouent avec, ils jouent bien. Parce qu'à un moment donné ils sont en train de saigner la bêta. C'est un peu logique. Les mecs, de toute façon les mecs qui sont forts sur la bêta c'est... Vous allez voir quand ils vont acheter le jeu ça va être pareil, ça va pas changer, ils vont être forts. Je suis où moi? J'en ai tué 3, je suis mort de fou. Ouais mais Damien attends je peux pas, je fais la petite vidéo sur la bêta.
Ça, je me débrouille pas mal. C'est moi ou j'arrête pas de les faire mal? Non! Je suis quand même deuxième. Hein. Je sais pas si on gagne ou pas. En tête, non, on gagne. Ah, l'autre il planque là-bas depuis tout à l'heure. Ah, je m'hésite un peu parce que depuis tout à l'heure je reste au même endroit donc du coup. Il m'a fait peur lui. Déjà la map elle est pas mal. Ah, déjà on peut passer à côté du bus. Voilà. Je me trompe plutôt. Ah bien joué. Par contre j'ai pas encore eu le truc là qui sert de point de choc là, je sais pas si c'est vraiment... Bref je me suis compris. Je sais pas si c'est comme BO3 il faut utiliser les deux mêmes touches. Il y a un des lanceurs ouais. Ah putain c'est histoire, c'est la honte. Ah bien bien joué. Ah oh ouais mais l'autre il arrive derrière, ouais, c'est joué au snipe ça. Ah oh là là je l'ai tué, ah, ok. C'est toujours pareil mais je sais pas c'est quoi, on va attendre juste pour prendre la vie. Ok. Et là on va voir c'est quoi ces termes là. C'est moi où j'ai l'impression que ça dure plus longtemps que... Ah je sais pas du tout c'est quoi comme arme. Déjà c'est bien qu'on court, elle se referme l'arme. Mais putain j'aurais bien voulu la tester sur une personne. Oh ouais c'est stylé. Oh bien joué, je l'ai tué à la fin. D'accord, non mais je regarde en fait tout simplement si on pouvait se planquer là-dedans, si on pouvait monter ou un truc comme ça. Parce qu'en fait depuis tout à l'heure j'avance mais je regarde pas les bâtiments. J'ai vu qu'ici on pouvait rentrer. C'est là que j'ai tué les deux mecs. Eh merde, il y avait bien un mec tout à l'heure. Ah non, parce qu'il est avec moi. En fait j'ai l'impression que c'est même pas des balles maintenant qu'on tire, c'est pratiquement des lasers, je sais pas. On voit même pas les traits partir en fait. On voit bien l'arme qui s'allume mais en fait on voit pas plus. Donc je sais même pas si c'est... Mon truc électrique il a pas marché. Voilà, je sais même pas si c'est des balles qu'on tire, bref. Après, à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez du jeu, si vous allez l'acheter ou pas. Pousse-toi. Si vous les si vous pensez que vous allez acheter le jeu ou pas, voilà, donnez votre avis. Par contre, en deuxième arme, on a les points. Ah, j'ai pas mon drone, je peux pas l'utiliser. Mais je regardais deux minutes. Ah c'est bon, je pouvais l'utiliser mais je sais pas comment on fait. C'est pas grave. Non, je sais pas. J'ai l'impression qu'il était allumé le truc du drone. La victoire, on a gagné. Ah je suis redescendu en classement. Mais voilà. Moi c'était vraiment... Vraiment pas mal la bêta. Donc j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires. Et dites-moi bah, si vous l'avez trouvé bien ou pas la bêta. Si vous l'avez testé. Si vous pouvez ou pas. Et donnez votre avis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à très vite. Et ciao bye. Salut.